La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Nous sommes la plateforme Desk et nous avons jugé bon de faire l'examen périodique universel citadin sur les recommandations de 2011 qui n'ont pas connu une grande avancée. Et il s'est agi des recommandations qui parlent de l'extension de l'assurance maladie et recommandations qui parlent de la réduction de la pauvreté et la recommandation qui parle de l'intégration des droits de l'homme dans le programme de l'enseignement du Togo. Et c'est dans ces trois recommandations que nous avons revues et nous avons étudié que le Togo n'a pas fait grande avancée. Et puisque le Togo est appelé à passer en octobre devant la Commission des droits de l'homme, nous avons jugé opportun de faire cet examen universel, ce rapport-là, pour pouvoir que les responsables de cette commission puissent interroger le Togo sur ces recommandations pour que le Togo puisse revoir sa position dans ce domaine-là. Que la plateforme est composée de la Ligue togolaise de consommateurs, Dimension sociale Togo, dont je suis le directeur exécutif. Nous avons également un réseau qu'on appelle le réseau des associations ONG togolaises de l'éducation aux droits humains et une association de DESC qui se trouve à Takwami qu'on appelle Action Sud. Oui, et nous avons jugé, je l'ai déjà dit, jugé opportun parce que chaque 4 ans maintenant, le Togo est censé passer devant la Commission des droits de l'homme pour pouvoir traiter et dire l'avancée des droits de l'homme que son pays a connu. Donc en 2011, le Togo a eu plus de 100 recommandations et venant de par le monde et il a pu rejeter certaines. Mais nous avons constaté qu'il a pris en compte ces trois recommandations qui sont importantes pour nous, puisque quand on parle de DESC, c'est le droit économique, socio, culturel. Le droit qui est un peu méconnu au Togo. Et puis il y a également des aspects que le Togo doit faire pour qu'on puisse jouir de ces droits-là. C'est la signature et la ratification de protocole additionnel pour que le Togo puisse jouir valablement ce droit. Et nous l'avons clairement dit qu'il faut que le Togo fasse un effort pour que aujourd'hui le secteur du travail, il y a vraiment de problèmes à ce niveau-là. Quand vous voyez un peu ce que nous appelons la zone franche, nos soeurs, nos frères qui travaillent à ce niveau-là sont vraiment des gens dont les droits sont violés constamment. Si nous revenons un peu, même aujourd'hui, on parle de la mobilisation de fonds au niveau du pays. Et lorsque on voudrait, par exemple, promouvoir le développement économique en assainissant le domaine, et lorsqu'il est question de faire les reçus, dont je ne sais pas comment ils appellent, cela fait que les petites boutiques sont en train de fermer leurs portes. Donc l'ODR étant une bonne chose, on doit réétudier cela pour que les Togolais puissent jouir. Aujourd'hui, les gens ont peur parce qu'il y a OTR qui vient. Lorsque vous exercez une activité de génératrice de revenus, l'impôt que vous allez payer dépasse même le bénéfice que vous faites. Ce qui fait que les gens ferment tout bonnement leur porte pour mettre la main au niveau du menton pour regarder la nature. Et c'est vrai, notre rapport n'a pas pris cela en compte pour cette fois-ci. Mais lorsque nous faisons la conférence, la publication de la conférence, bon nombre de personnes se sont quand même sautées sur cette occasion pour nous interroger là-dessus. Étant une plateforme, nous sommes ouvertes. Nous sommes grandement ouverts donc aux autres associations pour venir se joindre à nous, pour qu'on puisse attaquer ce problème. Parce que c'est un domaine un peu important. Il y a des ONG qui font déjà ce travail, des gens comme SAD, tout ça. Mais c'est comme l'action ne porte pas. Et donc, pour que cela marche, il faut une certaine synergie d'action pour pouvoir attaquer. Parce que si vous voyez, c'est comme il y a une certaine complicité entre ceux-là qui détiennent ces sociétés-là et les hommes d'État. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante contact@lagazettedutogo.com.